Et bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ketrard, bienvenue, installez-vous bien. On est reparti sur le, je sais plus combien, c'est le 8e épisode je crois, du let's play complet de Surviving Mars. Là on vient d'avoir justement nos réseaux de drones et les ressources qu'on avait commandées qui viennent d'arriver. Donc on va pousser ça tout de suite et puis on va se lancer. On va se lancer. On avait effectivement terminé, il me semble, juste à l'instant, la technologie qui nous permettait de faire des lacs. Et on va pouvoir s'amuser à créer des lacs artificiels, hein, bien sûr. Je crois qu'il va falloir que j'attende 25% pour pouvoir les remplir. Et on va partir direct, hein, un immense lac, tant qu'à faire. On n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Et on va se le mettre éventuellement par ici. Ça me semble plutôt pas mal, hein, de mettre ça proche des dômes, là, comme ça. Alors, ici, ça va être plus simple, peut-être. Voilà, ici, ça me semble plutôt bien. Plutôt bien. Donc, il va sûrement falloir que je le raccorde en flotte, hein. Ça m'étonnerait pas. Du coup, la flotte ici comme ça. Très bien. Je me suis pris un pastis glaçon, bien que le temps est pourri, ma région parisienne ne me fera pas entendre les cigales. Et oui, en clou, m'a tort. Moi aussi, je suis en région parisienne, peu cher. Hein. Et je suis dans le même délire que toi. Ok, très bien. Est-ce qu'éventuellement, on se rajouterait pas. Ouais, à utiliser de la force sur les drags. Ok, très bien. Alors, est-ce que je ferais pas une formation rocheuse? Aucun contrôleur de drone à proximité? On verra après. On verra après. Toi, tu pars faire quoi là? Tu pars là-dessus. Ok, très bien. Toi, tu vas toujours continuer de nous chercher des ressources, des ressources, des ressources partout. Bah écoute, c'est top, hein. Continue. Continue, impeccable. Alors, j'ai envie de voir ce que ça va donner là, les immenses. Eh ben, pour remplir tout ça, ça va être moins 8. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Niveau d'eau 3%. Et je vais mettre une valve. Je vais mettre une valve ici parce que si jamais j'ai besoin de couper l'eau, j'ai envie de pouvoir le faire là. Ah, mais ça y est, on commence à avoir de l'eau ici là. Elle est dégueulasse la flotte. Elle est toute verte là. Remarque, elle est pas dégueulasse. C'est normal, hein, on va dire. Du coup, comment ça se passe ici? Eh, 10% rempli. C'est de l'eau martienne. Ouais. D'ailleurs, il y a des très bons livres à lire, hein. Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue, que je vous conseille vraiment. Ok, nouveau jalon atteint, creuser un lac. Alors, c'est pas les mêmes jalons que sur Satisfactory. Hein. 13%, consommation d'eau 10. Ok. En deux sections. Et si je fais ça? Là, j'ai coupé la flotte. Ok, niveau d'eau 15%. Ok, et là, je suis toujours en négatif. Je suis toujours en négatif là. 23 pour production pour 31 de conso. Ça arrête de remplir, là, on est d'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours à moins 8? Bizarre quand même. Ok, on va attendre que ça se remplisse. Ah oui, donc maintenant ça me fait un changement de 0,1 par sol. Donc, tous les 10 sols, ça me ferait 1%. Parce qu'on rajoute de l'eau liquide sur Mars. Comme ça. Ok, très bien.
D'accord. Là, je dois pouvoir en rajouter d'autres. Donc, je vais refaire un extracteur d'eau que je vais mettre à côté. Donc, oui, on peut les cumuler. On peut les cumuler. Du coup, tuyau. Hop. On rallonge comme ça. Électricité. Tac. On rallonge comme ça ici. Parfait. Je vais juste relier de là à là, tiens. Ok. Ça, c'est bon. Ouais, dès que c'est fini, ça. 2, 3, 4. Il manque un petit peu de béton. En espérant que ça va suffire pour bien envoyer la sauce. Ok. On renvoie. Donc moins 6. Ah, mais attends. Moins 6. Ici, j'ai mes vaporisateurs. C'est vrai que je peux en rajouter là aussi. C'est vrai que je peux en rajouter là aussi. J'en avais pas rajouté. Je vais te mettre toi bah, ici directement. Tu condenses et tu renvoies là-bas. Au niveau des vaporisateurs ici. Hop, je peux en mettre un là. Ok, une recherche est complète. Donc 14, 7000. On va prendre ça, 7000. Et là aussi 7000, après je pourrais les fabriquer moi-même. Ok, production. Ah oui, il faut que je tire mon câble électrique maintenant. Et oui, parce que du coup, il y a besoin. Du coup, il y a besoin. 37% de flotte. 10, moins 7. Bon, en termes d'énergie, là, j'en ai pour un moment. Donc, c'est bon. Tempête météoritique. Ok, il n'y a rien de spécial dans le coin. On va attendre. Comme ça, on stocke du carburant. Pour l'instant, c'est bon. Hein, 60 pour 31, c'est pas mal. Elle a 42%. Elle est toujours en moins 6. Grâce au drone. L'humanité jusqu'à présent, nouvelle question. Ces scientifiques ont conclu que la parole est trompeuse, même si leur coque robuste est conçue pour résister à des monstres. Elle est dépourvue de capteurs. Ok. Ce sont des véhicules. Si c'est des véhicules, on les détruit. Parce que de toute façon, sinon je vais en avoir partout, ça va être relou. Donc on va les détruire. Ok. Là, vu que je fais un lac ici, est-ce que je peux utiliser de la roche pour faire une petite formation rocheuse, un petit truc mignon juste à côté là? Ce serait bien, non? Ah mince, est-ce que je peux le mettre là, tiens? Ouais, un petit caillou à côté. Allez, comme ça, quand on sera rempli, on dira que les enfants, plus tard, ils iront se jeter dans le lac pour pouvoir aller. Hein. Ah bien, ça me prend du truc qui était rempli. Alors, toi, ici, il n'y a plus rien, hein. D'accord. Eh ben, on récupère. On récupère. Plus de béton à cet endroit-là. Parfait. Neuf sur 250. Et là, on continue de remplir. 4. On a pratiquement vidé tous nos réservoirs là. Là, hop. Les polymères, c'est bon. Les ressources comme ça c'est bon. J'étais à 11, maintenant c'est parfait. Ok. Ça, les barres de l'espace, c'est bon. Les formations comme ça. Les formations comme ça, je vais me faire un autre institut. Une autre institut martienne. Maintenant que je sais que j'ai les ressources, on va en profiter un petit peu. Ok.
Donc là, ici, ça donne quoi? On va avoir une belle prairie ici. Ça va être très cool. 40 de production. On a toujours un petit peu de nourriture encore. Les productions, on a dit de nourriture en extérieur. Mais ça, c'est des fermes, mais il n'y a pas de ferme extérieure. Du coup, ici, toi, on va pouvoir te mettre là. Et toi, on va te mettre par là. Voilà. Ok. Comme ça, toi, pof, on t'améliore. Et toi, pof, aussi, on va t'améliorer. Parfait. Un boost de terraformation, 0%. Donc là, je produis 1, je produis 3. Donc là, on est quasiment rempli, là, 72% consommation 10. Donc là, c'est bon. Ça me produit 1,5. Donc 1,5. Et là, 1,5. Ok, je suis qu'à moins 2. Est-ce que je peux améliorer ici? Ah, mais ici, je suis pas relié. Je suis bête à tuyau. Toc. Voilà. Ça va être mieux. Paf. Ok. C'est bon. Donc 5. Ok, comme ça on va pouvoir commencer à stocker les réserves de flotte, les réserves de capacité d'oxygène, l'énergie, c'est bon. Et pourtant on est toujours fermé là ici. Impeccable. Et là on est prêt à 81%. Ok. Là on est toujours en train d'augmenter, donc je vais augmenter l'effet de serre en rajoutant une autre centrale à effet de serre juste ici. J'en consomme combien? Les bâtiments 0,5, changement 0,25. Secteur scanned, anomalie found. Ok. Toi, tu pars vers l'anomalie. Toi, tu vas continuer à aller charger tes trucs. Moins 20 en termes d'électricité. Pourquoi moins 20? De toute façon, on est vraiment blindé en termes d'électricité. Donc, c'est pas ça qui me fait peur. Les météores, ok. Donc, l'eau liquide à 25. Hein. Les vagues de froid s'arrêtent à 50. Donc 25-25, les plus toxiques qui après vont commencer. Ok, très bien. Alors, drague, le problème de Corollis. Décoder les longueurs d'onde de drague. Astuce, détruisez les dragues en utilisant des drones pour réduire le coût de la technologie. Ok, du coup. Décoder les dragues. Alors, on va enlever ça. On va reprendre ça. Donc. Il est où le truc? Les dragues, ils sont où? Hop. On va voir par là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je sais pas où ils sont. J'ai envie de dire, tant qu'ils sont pas chez moi, ça va. Mais après, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, quoi. Je sais pas où ils vont apparaître. Ok. Du coup, j'en mets 3-4 avec moi. Ok, comme ça, j'en aurai 7 sur 20. Comme ça, quand j'irai choper des dragues, j'aurai pas de problème. Au niveau des ressources, c'est bon. Là, j'ai que 25 milliards, c'est pas énorme. Toi, je vais pouvoir te renvoyer sur Terre. T'es chargé comme un mulet. Toi, 62%. Je te renvoie. Plage horaire. Et je vais me ramener une navette de transport. Il me manque autant que ça. Il me manque quoi? On va voir ce qu'il me manque. Des scientifiques. Il me manque plein de trucs. Ouais, navette de transport lancée directement. On regarde même pas ce qu'il y a. On balance tout puisque de toute façon il va m'en falloir beaucoup 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 là.
Ah, l'eau liquide est maintenant possible en surface. D'accord, mais je ne suis pas encore à ça. L'eau liquide. 100%. Et là, ça consomme 2 pour continuer à remplir. Donc, je remplis de 11 toutes mes capacités. Ok, 43 de stockage en énergie. La capacité des drones est élevée. Ok, parfait. Parfait. On a bientôt fait la recherche pour les... On a bientôt fait la recherche pour pouvoir faire les tomber de la flotte. Ah! Du coup, toi... Ok. Hop, parfait. Rappeler les drones, interagir, récupérer. Ok. Donc si je pète les dragues, je vais avoir moins de recherches à faire. Ma foi, ok. Et là aussi, il y a de la flotte, va falloir que j'aille la récupérer, la flotte. Va falloir que j'aille récupérer tout ça. Donc, par contre, drone sans contrôleur. Bah alors là, Ok. Allez, attaquez-le. Détruisez cette drague. Ok. Ok, mystérieux qui sont creusés à la surface du sol martien. On va réduire. Ok, il est vraiment en train de l'attaquer le machin, quoi. C'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre quand même comme bestiole. Ok. Export de métaux rares, 750 000. Très bien. On va poser les ressources. Tac, ici. Toi, tu vas chercher. Toi, tu continues de tourner. Alors. Est-ce que ça continue d'attaquer ici? Pas beaucoup. Ok, parfait. Alors. Très bien. Donc, ouf, projet spéciaux de terraformation. Envoyer une fusée. Ok. Les exportations de glace. Alors, tout ça, va falloir que je retire parce qu'il y a trop de trucs. Casse-tête chinois. Et réduite de 50%. Ok. Capturer des astéroïdes, projet de glace, anomalie, contrôleur de drones, des bâtiments. Ok, très bien. Maintenant, je dois pouvoir faire ça. Donc il me faut 115. Je vais pouvoir envoyer l'expédition. Donc toi, j'en envoie 115. Et je vais pouvoir faire tomber 5% de flotte directement au niveau de la planète. Quand je vais arriver à 10%, je vais pouvoir en faire flotter de l'herbe. C'est des ETS parasites, ils veulent te piquer tes ressources. Eh ben, je vais les défoncer. Ils savent pas qui je suis, eux. Ou quoi, là? Ok. Donc là, les ressources, c'est bon. Zone constructible, bonus de détection de tour. Eh, on a presque fait la moitié là déjà là ici hein. C'est beaucoup là. C'est beaucoup. En termes de recherche, 58, réalité novatrice. Sanatorium, pour l'instant on s'en fout un petit peu. Nouvelle culture dans les fermes. Et ça me plaît bien quand même. Hein. Les fermes ouvertes, ça me plaît bien. Hein. Récolté par des drones, mais par contre 14 000 quoi. Si le nombre d'heures passées à jouer à des jeux de simulation de ferme était passé dans de vraies fermes, imaginez ce qu'on pourrait accomplir. Oh, ça taille ceux qui jouent à Farming Simulator. Ils ont raison. C'est drôle. En vrai, c'est drôle. Ok, donc toi, je vais pouvoir t'arrêter. Toi, je pense que je vais pouvoir t'arrêter aussi.
On produit assez, à mon avis. On produit assez, à mon avis. Voilà, comme ça, j'économise ici. J'ai pas besoin de taper dans tout ce qu'il y a là. Là, je suis dans production pérenne, on va dire. Production pérenne. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, ça produit. Waouh, ça me fait une grosse zone qui va pouvoir monter tranquillement là. Ok. Là, ça consomme deux. Consommation, production, réserve d'eau, etc. Progression actuelle 1,192. Ok, des tempêtes de poussière encore. Une fuite détectée. Voilà, la fuite électrique ici, elle va être réparée vite fait. Sort en travail, calme, génie, mordu de travail. Alors attends, ça lui fait quoi, génie? Génie. Génère de la recherche une fois la santé mentale élevée. Ok. Qu'est-ce qui me manque comme personnel encore? Il me manque des trucs. Est-ce que j'irai pas me faire un petit bâtiment de Hawking pour pouvoir générer encore plus de recherches? Institut Hawking. Important quand même. Institut Hawking. Donc 31, 10. Ok. Pourquoi moins 34? Ah oui, parce que je ne produis pas pendant les tempêtes. Ok. Durée restante 5 heures, 4 heures. Bon, j'ai assez de quoi tenir. Hein. Ça ne sert à rien que je me panique pour ça. Largement de quoi tenir, c'est bon ça. Très bien. Mes stockages sont plutôt bons. J'en ai un là-bas. Un là-bas, ok. Il m'en faudrait un par là, je pense. Je serais peut-être un peu plus rassuré si j'en avais aussi par là. Est-ce que je peux faire... Je peux pas faire de générateur comme ça. Les drones sans contrôleur. 4. Alors, toi, on va te ramener là. Et on va dire que toi, tu vas pouvoir être là. Merci beaucoup, Lily. Comment tu vas? Je passe vite fait, je te fais des coucous et je te host. Eh ben, c'est super gentil. Merci beaucoup à toi. Merci, ma Lily. Ok. Où sont les vilains méchants qu'on doit trouver et tuer? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant. Bah écoute, c'est parfait. S'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. Toi, je baisse. 1, 2, 3, 4, 5. Salut mon GG, comment tu vas? Alors. La 12 faible, charge des drones élevée. 3, 4, 5. Ok. Pas bien et toi? Merde, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, mon GG? Pas bien, je t'expliquerai en privé. Et toi aussi, Lily, ça va pas bien? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez passé la nuit ensemble, Lily et GG, ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive là? Je peux me confier? Toi, je sens venir le troll, mais vas-y. Vas-y, GG, je suis là. Il n'y a pas de souci. Je suis à ton écoute. Tu le sais, hein, en plus. 10% de flotte. Là, tu vas me dire, je vais pas bien. Mange de la farine ou fais un perdu sur Twitch. Je te vois bien, espèce de gros troll. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, GG? Je suis en manque de perdu sur Twitch. On verra. On verra. Mais là, je suis en train de chill tranquille et tout. Le jeu, je suis bien dessus pour l'instant. On verra dans une heure ou deux. Pourquoi pas? Pourquoi? Bon, on peut toujours aller se promener. Ça coûte rien d'aller se promener. Ok. Merci beaucoup, Dunfried 2.
Merci pour ton follow. Merci infiniment. Ok, 22h. Ouais. Moi aussi, je m'aime. Ah, n'importe quoi. Quelle bande de trolls. Bientôt les 900. Ouais. Bientôt, tu manges une cuillère, GG. Ok, Météor, on n'a pas bâtiment détruit. Alors, attends. Extracteur de métaux, reconstruire. Comment est-ce qu'il me reste de trucs? Il me reste. Ah oui, il faut que j'en reconstruise. Du coup, il me faut un nouveau stockage ici. Et mais attends, mais ça m'a détruit tout ce qu'il y avait dedans, là? M'a détruit tout ce qu'il y avait dedans, là? Mais non. 15-30, etc. Lui, c'est en train de se décharger tranquillement. Ok. En termes de navette. Ok. Pourquoi ça construit pas? Qu'est-ce qui me manque encore? Il manque du béton. Non, du béton, j'en ai. Est-ce que je vois d'autres bestioles là comme ça à tuer dans le coin? Salut Donfric, comment tu vas? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Ok. Donc là, en termes de production, ça va. Là, ici, on a construit. Ça, c'est bon, c'est bon. De quoi est-ce qu'on pourrait manquer actuellement, à part... Il me faut des personnes sans qualification. Filtre, spécialisation. Il faut que je prenne des personnes sans spé. Pas de spé. Retour. Et il faut que je prenne des gens avec... Bon, avec les talents, ouais, mais avec les défauts. Malade chronique, ok. Alcoolique. Perte de la santé chaque jour. Double la perte de santé mentale en cas de catastrophe, peut-être dû à une dépression. Ah ouais, mais j'ai le truc justement qui empêche les gens de partir en dépression. Donc je peux l'appliquer et je peux les envoyer. J'aurai pas de conséquences, ça. Puisqu'on a la recherche qui dit que lorsqu'un colon subit une dépression, il s'endort et se réveille 6 heures plus tard avec 70% de sa santé mentale. Et les colons ne peuvent pas se suicider ni développer de défauts suite à une dépression. Et oui, donc on peut utiliser ce truc-là, ce n'est plus un défaut. Alors Deadlibrin, je l'ai pas vu, GG. Il est peut-être présent, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ok. Donc là, il est en train d'être construit. Parfait. Plage horaire. Qu'est-ce qu'il y a, Donfric? Mais what? Qu'est-ce qui t'arrive, Donfric? Explique-moi. Là, on est en train d'aller chercher des capturés des astéroïdes de glace. Ok, très bien. Ok. Est-ce que je peux éventuellement rajouter quelques éoliennes? On va en rajouter quelques-unes. Toc, toc. Ok. On en rajoute 3. Production d'énergie 7.3. Boost d'altitude, boost de terraformation. Rien. The aliens didn't try to destroy our cities. Ok. Then again, they didn't try to contact us either. D'ici 3 ans. Ok, le décollage est fait. Alors. Voyons voir. Ah, pardon. Il y en a là. Ok, toi, t'es ici. Ok, il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres. Salut Gecko Calo, comment tu vas? Bien. Allez. On l'envoie à la guerre. Research complete. Ah, la recherche est terminée. Ok, on regardera ça dans l'épisode suivant. En attendant, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, merci de suivre ce let's play. Et à très bientôt. Bisous, ciao ciao!